Bienvenido en México, bienvenue au Mexique pour vos nouvelles échappées belles. Je suis ravi de vous retrouver dans un des décors les plus sauvages de ce pays, grand comme trois fois la France. Regardez autour de moi, ce sont les immenses cactus de Basse-Californie, un paradis désertique niché au bord du Pacifique. J'ai décidé de vous surprendre puisque nous allons visiter le Mexique à travers les joyaux de sa gastronomie. On ne le sait pas forcément, mais la cuisine traditionnelle mexicaine est classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2010, comme la cuisine française. Une récompense qui vient célébrer une richesse culinaire absolument exceptionnelle. Et comme la cuisine n'a pas d'égal pour tisser des liens, eh bien je vous propose de partir réaliser des rencontres gourmandes dans tout le pays pour partager l'amour du goût des Mexicains et leur regard singulier sur leur pays. Paré pour l'aventure ? ¡Vámonos ! Bienvenue au Mexique. Moi, je suis venu pour découvrir la gastronomie mexicaine. Est-ce qu'on mange bien à Mexico ? Oui, on se régale, il y a plein de choses. Ismaël Khalifa a faim de découverte. Voilà, on a atteint le point le plus haut de la pyramide. Traditionnellement, les gens viennent ici pour purger leur corps des mauvaises ondes. On appelle ça la purification. Et fin de rencontre. Oh, je suis mi-français, mi-mexicain. Donc t'es quelque part entre le guacamole et le camembert. J'ai rarement vécu une expérience aussi dingue dans la nature, c'est fou. Ça tombe bien, le menu est copieux. Et parfois étonnant. On pense que les plus défavorisés sont ceux qui mangent des insectes. Mais paradoxalement, c'est l'aliment du futur. Avec le temps, ça va se substituer à la viande. Comment on dit bon appétit chez vous ? Buen provecho. Buen provecho. Le Mexique se raconte avec les papilles. J'aime toutes les odeurs du marché, les fruits, les légumes. Le risque, c'est de prendre quelques kilos. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu les perdras très vite. Un voyage gourmand qui a du goût. Rodrigo, merci pour cette belle surprise. Ah, c'est bon, hein ? C'est vraiment génial de découvrir le désert à cheval comme ça, on a l'impression d'être des cow-boys. Et on m'a dit que t'étais le meilleur guide pour découvrir le désert de Basse-Californie, c'est vrai ça ? Bon, je sais pas si je suis meilleur, mais en tout cas, j'aime bien le désert. J'aime bien promener des touristes dans le désert qui connaissent la Basse-Californie, par mer, par terre, et leur faire connaître la beauté de cet endroit. Par exemple, le Grand Cardone, c'est un grand cactus énorme, millénaire. On a des remédies contre les moustiques, par exemple, sur cet arbre, l'arbre éléphant. Donc quand tu connais bien les arbres et les plantes du désert, tu peux te nourrir, te soigner, tu peux survivre ici. Ouais. Est-ce qu'on mange bien dans le désert, Rodrigo ? Ouais, on mange très bien ici. Il y a plusieurs plats et produits par les gens des ranches. Je sais que tu viens pour la gastronomie, alors on va te faire goûter beaucoup de belles choses ici. C'est un peu dur à imaginer au milieu du sable et des cactus, mais je te fais confiance. Alors tu m'emmènes où, Rodrigo ? Ah, je t'emmène chez deux bons amis que j'ai ici, qui ont pris la décision de vivre dans le désert. C'est des Français. Cactimar. Attention à la tête ? Ouais. Salut Jean-Christophe. Voilà Rodrigo. Ça va mon ami? Bien et toi? Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Ismaël, enchanté. Marjorie. Marjorie. Bonjour.
Salut. Jean-Christophe. Ismaël, enchanté Jean-Christophe. Bienvenue à Kakema. Ben, merci de m'accueillir chez vous surtout. Bienvenue. Alors vous vivez ici, dans ce ranch. On est à La Paz depuis 12 ans et ça fait 4 ans qu'on s'est éloigné un petit peu de la ville pour se retrouver en pleine nature. C'était vraiment ce qu'on est venu chercher ici à la base. Et donc on a d'un côté une immense mer de cactus et de l'autre côté la mer de Cortez. Donc pas de voisins, on est vraiment dans un endroit complètement nature et qui nous fait du bien, qui nous ressource. Et alors vous venez d'où en France? Toi tu viens d'où, Marjorie? Moi je suis de Haute-Savoie. Ah, de Haute-Savoie? Oui. Ah bah comme moi. Ah bon? Compatriote de Haute-Savoie. Ah bah bienvenue. Ah oui, c'est clair. Moi j'ai grandi à Annecy, tu vois. D'accord, moi je suis de Sallanches. Très bien, bah merci hein, de faire vivre cette expérience. Bah donc on t'a préparé une chambre pour que toi-même tu vives l'expérience en immersion. Donc si tu veux, je vais aller t'accompagner pour te la montrer. Avec grand plaisir, Jean-Christophe. Ok. Rodrigo, on se retrouve tout à l'heure. Oui, à plus tard. Je vais voir la chambre et j'arrive. Amuse-toi bien. Merci. Allez, plus. À tout à l'heure. Et combien vous avez de maisons ici? Ah ben on a 2 maisons, une dans laquelle on vit et puis une où tu vas dormir, donc qu'on loue aussi pour les touristes. Marche pas sur le chien. Non. C'est le paradis des chiens ici. Oui, il y a beaucoup d'animaux au ranch. Et le toit, il est fait de quoi? Alors le toit, il est en feuille de palmier, donc c'est une construction typique de la région en fait. Ça s'appelle les palapas. Waouh! C'est très mignon chez vous. Merci. Merci. C'est beau. Alors, qui a fait la déco? Ah bah la déco, c'est moi. C'est des vestiges de mon métier antérieur. J'étais architecte d'intérieur avant, en Haute-Savoie. Il faut que je vous l'avoue, il y a quand même une petite question qui me taraude, vu qu'on est dans le désert, mais il y a des serpents, des mygales ici? Effectivement, on est dans leur lieu de vie. Donc il y a des serpents, des veuves noires, des mygales. Donc les serpents, c'est des crotales généralement. Mais en cette saison-là, quand il commence à faire un peu plus frais, tu ne devrais pas en voir normalement. Si tu entends ça, fais attention. Ah, ça, c'est la sonnette du serpent à sonnette? Du serpent à sonnette, du crotale, ouais. Alors ça, c'est généralement les rancheros qui habitent autour. Eux ont l'habitude de, quand ils en voient, généralement, ils les tuent. Donc on récupère, nous, les sonnettes ou les pots. Bon, on va te laisser t'installer. Ok. Ok. Ça marche, et puis je vous rejoins dès que je suis prêt. Ok, ça d'accord. Marche. À tout à l'heure. Les couleurs, les plages et la douceur de vivre du Mexique attirent toujours plus de visiteurs. En 2017, le pays est même devenu la 6e destination touristique au monde. Parmi ses nombreux atouts, sa gastronomie, riche, variée et parfois surprenante. À San José del Cabo, en Basse-Californie du Sud, hola, buenos días. Le chef Enrique a bien compris l'attrait de la cuisine mexicaine pour les visiteurs étrangers, notamment américains. Depuis 8 ans, il les accueille chez lui pour une initiation qui commence toujours dans le potager. Ça, ce sont des piments. J'ai grandi avec ces piments. On les appelle chiltepin. Il y en a plein. Ils poussent ici, mais aussi à l'état sauvage. Et ils sont assez épicés. Je veux leur montrer des légumes qu'ils ne voient jamais. Différentes herbes. Ils sont toujours très surpris. On va préparer une huile aux herbes. Dans son restaurant, le chef Enrique propose une fusion des cuisines mexicaines et méditerranéennes. Ici, le climat est très proche de celui des pays du sud de l'Europe et on trouve des produits qu'on ne cultive nulle part ailleurs au Mexique. Ça, c'est une huile d'olive de la vallée de Guadalupe, dans le nord de la Basse-Californie, à Ensenada. C'est une huile extra vierge. Herbes aromatiques, palourdes farcies arrosées de vin blanc, barres noires accompagnées de légumes du soleil. Pendant 2 heures, les apprentis cuisiniers découvrent des mets et des saveurs bien éloignés des clichés souvent associés aux plats mexicains. Au nord-ouest de Mexico, il y a le désert et l'océan. Au centre, ce sont les hauts plateaux. Et ensuite, ce sont les tropiques. Donc, nous avons des climats très variés. On a aussi une grande diversité de peuples autochtones qui avaient chacun leurs coutumes. Vous ajoutez à cela toutes sortes de légumes et d'herbes qui viennent des différentes régions. Et vous comprenez pourquoi la cuisine mexicaine est si variée. Tout
toutes ces cultures et ces produits différents se retrouvent à Mexico, la capitale. Dans cette ville tentaculaire, Rocio aime partager sa passion pour la créativité et le talent des cuisiniers de rue. Voici un michoté. C'est un mode de cuisson particulier. La garniture peut varier, ça peut être du poulet, du porc, ça peut même être du lapin. Tout dépend de la région. Là, c'est du bœuf et de la chèvre. C'est une recette que je tiens de mes parents et mes grands-parents. C'est une tradition de l'État d'Hidalgo, au Mexique. Ça se cuisine à la vapeur, il faut 6 heures de cuisson. Ça fait un petit paquet. Ensuite, je l'ouvre, et voilà, c'est la viande pour le taco. Petite galette de maïs garnie de viande, de légumes et de sauce, le taco se mange avec les doigts. Si vous voulez un bon taco, il faut le prendre ici, dans la rue. Les participants du jour sont des habitants de Mexico. Depuis quelques années, Rocio a remarqué qu'ils sont de plus en plus nombreux à jouer les touristes dans leur propre ville pour en découvrir toutes les saveurs. Avant, on mangeait des tacos et on les trouvait bons et délicieux, mais on se disait jamais que ça pouvait valoir un repas gastronomique. Mais on commence à réaliser que notre cuisine est complexe et excellente, et qu'elle est aussi riche et subtile que la cuisine française ou italienne ou les grandes cuisines du monde. Pour Rocio, les marchés sont le cœur battant de Mexico. Elle emmène sa petite troupe au marché Jamaïca, l'un des plus grands de la ville, avec plus de 1200 stands. On y trouve les ingrédients de base de la cuisine mexicaine, tels que le maïs ou l'avocat. Mais c'est aussi le lieu idéal pour goûter des spécialités plus rares, comme le chorizo vert. C'est préparé avec de la coriandre, du piment vert, des épinards, et dans celui-ci, il y a des graines de courge, des amandes, des pignons de pin. Tout est mélangé avec le porc. C'est une affaire familiale. Ils cuisinent tous. Je suis très fière de tous mes vendeurs, car ils font vraiment du mieux possible. Ils ne se contentent pas d'une cuisine basique, ils font vraiment un effort pour préparer la meilleure nourriture, et j'adore. Quand je vois que les gens apprécient, ça me rend heureuse. Rocio en est convaincu. Prendre le temps de découvrir la gastronomie mexicaine est le meilleur moyen d'approcher l'âme du pays. Sa cuisine traditionnelle et populaire a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2010. Salut. Rodrigo, quand tu roules tranquille au bord de la mer de Cortés, t'écoutes de la musique ? Oui, j'écoute de la musique. Et t'écoutes quoi alors ? Bon, j'aime bien écouter du rock alternatif des années 80-90. Ouh là 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 là. Et spécialement un groupe que j'aime bien, que c'est Café Tacuba. Ok, on écoute un peu ? Ouais, ouais. Ah oui, ça va être très Mexique ça. Ah oui, c'est pour ça que j'adore. Bienvenue dans Mexico. Ah, j'ai grandi avec cette musique quand j'étais gamin. La que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de lluvia y de cielo. Rodrigo, tu as toujours vécu à La Paz? Non, je nais près de la ville de Mexico et je suis venu vivre ici il y a 20 ans. Et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Venu étudier la biologie marine. Donc tu es biologiste marin en fait? Ouais, je suis biologiste marin. Et après quelques années, ben, j'ai tombé amoureux de l'endroit, des personnes. Et ben voilà, je suis jamais parti. Bon, t'es d'abord dans l'aquarium du monde. Le commandant Cousteau l'appelait comme ça, l'aquarium du monde. Et c'est un endroit magnifique pour voir une énorme quantité d'espèces. On a des baleines, des lions de mer, on a des poissons, on a des oiseaux. C'est hyper riche. Et c'est ça qui te plaît alors à toi? Ouais, ça me plaît beaucoup. Et après, j'ai commencé une société citoyenne pour essayer de protéger l'environnement. Une société citoyenne, c'est une association en fait. Une association, oui. On a fait des campagnes de nettoyage de plages. J'ai travaillé avec plus de 7000 gamins. On a retiré 2000 tonnes d'ordures des plages en faisant simplement un exemple.
Et qu'est-ce qui fait que tu parles aussi bien français? Bon, je suis mi-français, mi-mexicain. Ok. Ou mi-mexicain, mi-normand. Mi-mexicain, mi-normand. Ouais. Donc t'es quelque part entre le guacamole et le camembert. Gracias. Gracias. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? Bon, on va aller visiter l'île Espíritu Santo. L'île de l'Esprit Saint. C'est une des plus belles îles de la mer de Cortés. Et on va aller nager avec les lions de mer de Californie. Génial. Bon, Ismaël, maintenant, je vais te mettre le bracelet. C'est le passeport pour l'île. Avec ce bracelet, on se finance pour protéger l'île d'Espíritu Santo. C'est un site UNESCO. C'est patrimoine de l'humanité et aussi c'est parc marin. Ça veut dire que tous les visiteurs, ils achètent un bracelet comme ça et que l'argent part à la protection des îles. Exactement. C'est un pass VIP pour Pass VIP pour l'île. Et lui, c'est Jesús, notre capitaine. Jesús. Bonjour, Jesús. Hola. Et comment s'appelle le bateau de Jésus? Comment se llama tu barco? El Edén. El Eden, c'est le paradis, ça? El paraíso. Algo parecido. Donc c'est Jésus, le capitaine du paradis? Jesús el capitán del paraíso. On embarque? Ouais, on y va. Suivons Jésus. Suivons mon ami. Voilà, nous sommes arrivés à l'île Espíritu Santo. Ça y est, c'est l'île qu'on voit en face? Ouais, on est sur l'île. Et la première plage qu'on va voir, c'est la Bonanza, la plage la plus longue de l'île. En tout cas, les plages de sable blanc au pied des montagnes, elles font envie. Hein. Ouais. Cette île a une origine tectonique volcanique. Là, les rochers que tu viens de voir, c'est du granit qui a entre 65 et 100 millions d'années d'antiquité. Et c'est marrant, ça ressemble vraiment à une île de pirates. Tu sais, quand tu arrives, tu t'attends à voir un bateau de pirates débarquer derrière le rocher là-bas. Bon, mais le rocher qu'on est en train de passer là, c'est, ça s'appelle le Pailebote. C'est comme on appelait les navires espagnols. Même on a eu des pirates qui sont venus ici pour attaquer au bateau espagnol pour leur piquer les perles qui étaient en train de se faire pêcher sur l'île. C'est pour ça que tu mets un petit bandana pour avoir un côté pirate? Ouais, plutôt. Tu vois. Et ils sont où alors les lions de mer de Californie? Les lions de mer se trouvent là-bas. On se trouve un peu plus partout, en train de nager. Ça, c'est la colonie reproductive la plus grande dans la mer de Cortés. Tu pourrais y aller? Je suis prêt. Ok. Elle est blade. Ouais, elle est super bonne. Très chaude. Alors ici, très important, on a des règles à suivre. Tu vas toujours me suivre à moi. Ok. Jamais t'éloigner. Si un lion de mer vient dans ta direction, un grand mâle, en train de faire brou, 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 en train de jeter des bulles dans l'eau, ça veut dire qu'on est dans son territoire. Alors doucement, on s'éloigne de lui vers la mer. Prêt pour y aller? Je te suis. On y va.
C'était génial. Je t'avais dit, non ? J'ai rarement vécu une expérience aussi dingue dans la nature, c'est fou. Et je m'attendais pas à ce que les lions de mer viennent aussi près de nous. Des fois, ils étaient à 5-6 cm. Je pouvais presque les toucher. C'est pas tous les jours comme ça. Hein. T'as eu vraiment de la chance. Et là, c'est des mâles ou des femelles qu'on a vu ? On a la plupart qui étaient proches de nous, c'était des femelles. La femelle peut être entre les 80 et les 120 kilos et mesurer les 2 mètres. Les mâles peuvent arriver à mesurer 3 mètres et peser les 390 kilos. Ouais, c'est quand même pas mal. Quelle est la différence entre ces animaux et les otaries ? Parce que tu sais, moi, lion de mer, otarie, j'y connais rien du tout. Les lions de mer, c'est une espèce d'otarie. D'accord. C'est celui-là qui est très populaire dans les zoos aux États-Unis. Parce qu'ils sont très faciles à entraîner, ils sont très, très malins, très intelligents. Et en plus, ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Alors, c'est facile à les entraîner pendant des années. Bah, je préfère largement les voir comme ça, quand même. Moi aussi. C'est dans un cirque. 1000 fois. Alors, t'as faim ? Bah, j'ai un peu faim, ouais. Alors, on va aller manger les spécialités de la place. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Des palourdes, las chocolatas. Des palourdes ? Ici, on les appelle chocolatas. Chocolatas, comme chocolat. Le chocolat ? Parce que les coquilles ont la couleur du chocolat. Ouais. C'est un goût particulier, ça donne beaucoup d'énergie. Bon, moi, j'adore. Ah, les voilà, les palourdes. Las chocolatitas. Chocolatitas. Gracias. Las chocolatitas. Chocolatitas. Chocolatas. Chocolatitas. Son petit. Ah, gracias. Génial, gracias. Et ça, c'est quoi ? Ben, lata de tostadas, que c'est les tortillas frites. Et ils nous apportent aussi des différents piments qu'on peut mettre. Et aussi, on a des gâteaux salés pour accompagner. Alors, on va voir, regarde ça. On met du citron. On voit comme ça bouge. Ah oui. C'est encore vivant, c'est fraîche. J'additionne un peu de sauce. Ça, c'est exclusif d'ici, salsa huichol. Voilà. C'est parti ? Ouais, vas-y. Ouais, c'est très frais. Ouais, c'est hyper frais. C'est un peu comme les huîtres, on sent que c'est plein d'énergie, c'est plein des bons oligo-éléments de la mer, quoi. Bon, en tout cas, c'est très sympa de manger ces petits coquillages pour finir cette journée. C'est une magnifique journée. La côte est de la Basse-Californie et ses étendues sauvages. Pourtant, ici se cache un sanctuaire pour la faune marine, la mer de Cortés, surnommée le plus grand aquarium du monde par le commandant Cousteau. Un paradis pour les plongeurs et une zone de pêche providentielle pour les habitants de la région. Juan et son neveu préparent leur filet. Ils pêchent dans la mer de Cortés depuis 25 ans. Nous, les pêcheurs d'ici, on utilise ces filets pour attraper les poissons de saison. En ce moment, c'est la pêche du requin. Il y a aussi un peu de vivano et aussi plein d'autres espèces. Les deux hommes pratiquent une pêche artisanale à bord de leur petite embarcation. Dans ces eaux poissonneuses, ils n'ont pas besoin d'aller bien loin pour lancer leur filet. Les jours de bonne prise, ils peuvent attraper jusqu'à 200 kg de poissons. Le filet va jusqu'au fond. On le met dans cette zone parce que c'est assez près de chez nous et il y a du passage de poissons ici. On va venir le relever demain matin à 8 h. Juan et son neveu travaillent sur la mer la plus riche du Mexique. La mer de Cortés abrite plus de 900 espèces de poissons et une trentaine d'espèces de mammifères marins, comme ces lions de mer attirés par les poissons prisonniers des casiers des pêcheurs. Celui-là, c'est un poisson globe. Regarde, il a des épines. Et celui-là, c'est un sparaillon.
Il y a des poissons que même nous, les pêcheurs, ne connaissons pas. Dans les zones plus profondes, là où on descend nos filets, par exemple, il y en a qui sortent, qui sont rouges et qui s'appellent les poissons soleil. Il y a vraiment beaucoup de variétés de poissons ici. À sa façon, Juan participe à la préservation de cette diversité. Il prend soin de ne garder que les gros poissons. Ici, c'est une zone de reproduction. Nous, quand on attrape de petits poissons, on les remet à l'eau pour qu'ils grandissent. Pour éviter la surexploitation de la mer de Cortés, la pêche y est réglementée. Avant, les gros bateaux venaient dans cette zone pêcher la crevette. Mais on ne les laisse plus faire. Avec leurs grands filets, les crevettiers ratissaient les fonds et attrapaient tout sans faire de distinction, comme des dorades, des soles. Ces bateaux, ils tuaient plein d'espèces, donc maintenant ils n'ont plus le droit de rentrer dans la mer de Cortés. Certaines communautés ont décidé d'aller encore plus loin pour protéger les ressources de la mer de Cortés. Le village de Cabo Pulmo a interdit la pêche en 1995. L'endroit est devenu l'une des plus belles réserves marines du monde. Sa biodiversité attire désormais les touristes et les amateurs de plongée. Thierry est un moniteur français, installé ici depuis 16 ans. Aujourd'hui, il emmène son ami Peter découvrir les fonds marins de Cabo Pulmo. Avant chaque sortie, il faut se signaler auprès des autorités du parc national. On va voir un peu ce qui est disponible et où on peut plonger aujourd'hui, Pedro. Bonjour. On va aller à Los Frailes à 10h20. Quel est le nom du capitaine ? Daniel. Les sorties sont contrôlées par le parc. Donc ils vérifient où sortent les bateaux, avec combien de personnes et les horaires aussi. De sorte qu'il n'y ait pas 50 bateaux sur le même endroit à la même heure. Ici, tout est fait pour minimiser l'impact de l'activité humaine sur le récif. C'est ce qui a séduit Thierry dès son arrivée à Cabo Pulmo. Aujourd'hui, il connaît chaque recoin de la réserve marine. Là, on arrive sur un site qui s'appelle Los Moros. Donc Los Moros, c'est un site qui est à 18 mètres de fond. L'intérêt de la plongée, là, c'est le banc de Carangue. Donc il y a comme une... Un énorme nuage de poissons qui généralement sont présents ici sur le récif. Alors que les populations de poissons diminuent partout dans le monde, cette réserve dans la mer de Cortés est une exception. Ici, les poissons se reproduisent bien et reviennent d'année en année, plus gros et plus nombreux à chaque fois. On a vraiment fait une plongée spectaculaire. Il y a à peu près 10 000 yeux qui te regardent, quoi. Ils viennent juste devant toi comme ça. Ils te regardent, tu les regardes. Et à côté du récif, c'est un site où ça change quasiment tous les jours. Donc les conditions sont différentes. On a des espèces migratoires. Et puis après, on a toujours des bonnes surprises, même après 15 ans et peut-être même des milliers de plongées, parce que j'ai plusieurs milliers de plongées à Cabo Pulmo, je ne m'en lasse pas. Thierry ne s'imagine plus quitter Cabo Pulmo. En un peu plus de 20 ans, ces 70 km² de zones protégées sont devenus un site privilégié pour les amateurs d'écotourisme dans la mer de Cortés. La porte d'entrée du désert, c'est deux cactus. C'est exactement ça. Donc à partir de là, on est vraiment, si tu regardes tout au fond, à perte de vue, tu n'as que des cactus. Et là, on va essayer de trouver un fruit qui est produit par un cactus. Ça s'appelle la pitaya. Il y a deux types de pitaya ici. Il y a deux cactus qui s'appellent pitaya, pitaya dulce et pitaya agria. Et en cette saison, ça va être la pitaya agria qu'on va trouver. Et qu'est-ce que vous faites avec ce fruit de cactus ?
Donc on peut le manger cru comme ça, juste en enlevant la peau. Et sinon, on peut en faire des marmelades, des confitures. Et ils appellent ça aussi dulce de pitaya, donc c'est comme des pâtes de fruits qu'on peut faire avec ça. Donc t'imagines à l'époque des Indiens qui vivaient ici il y a 8 ou 10 000 ans, quand ils trouvaient une pitaya, pour eux c'était le Graal. C'était vraiment le fruit plein de jus dans un endroit aussi sec, avec une couleur rouge vif, comme une fraise. Donc c'est un peu un miracle quoi. Ah, je crois que j'en ai vu une. Oui, effectivement. Regarde là. Ah, par contre, elle a déjà été mangée par les fourmis. Elles sont arrivées avant nous. Donc, il va falloir en trouver une autre. Il est poilu, celui-là. Alors, si tu regardes bien de près, c'est pas des poils, c'est des pics, des piquants. Mais ils sont assez souples. C'est un cactus qui s'appelle le garambullo. Ah oui, c'est tout doux. Ouais. Tu pourrais te faire une petite fourrure éventuellement en hiver quand il fait un peu froid. Un vison. Un vison Barra California. En voilà une autre. Ah oui. Mais elle est grosse comme le poing, celle-là. Ah, elles sont même beaucoup plus grosses normalement en pleine saison. Mais t'as pas peur parce qu'il y a des épines de partout là. Oui, mais regarde, une fois qu'elles sont mûres, les épines tombent pratiquement toutes seules. Ah oui. Tu vas voir, elle va être juteuse et tu vas la goûter. On va enlever cette partie-là et voilà l'intérieur, tu vois. C'est marrant, on dirait un kiwi rouge avec tous les petits pépins. Ouais. Je peux la croquer comme ça ? Tu peux la manger. Bah, c'est un peu la texture de la pastèque. Mm-hmm. C'est un peu farineux. Ouais. C'est un petit peu unique. C'est vraiment un fruit qui ressemble à aucun autre. Moi, je trouve que c'est un goût unique. C'est un peu acide, mais pas très sucré. Voilà, c'est ça. D'où le nom pitaya agria, qui veut dire aigre. En tout cas, c'est très bon. J'aime bien. Comida está lista. Asseyez-vous. Merci. Ça sent bon. Ah, oui, très bien. Ah, Lucie, elle fait de grands yeux devant la nourriture. Donc, un repas traditionnel de Basse-Californie du Sud, avec des empanadas, donc c'est des beignets de bœuf avec des légumes. Et ça, c'est des burritos de machaca. Donc, la machaca, c'est de la viande de bœuf aussi, qui est séchée. Au soleil. Ensuite, ils mettent un peu de sel aussi. Ensuite, ils le font revenir dans une poêle avec du piment, des oignons. Et ensuite, on les met dans un burrito. Donc. Et ça, alors ? Et alors ça, donc, c'est une sauce que Doña Chuy a préparée. Ça s'appelle salsa tatemada. Donc, c'est une sauce qui est faite à base de piment, de tomates. On les met directement sur la poêle pour que ça donne un petit goût grillé. Et une fois que c'est noir, on rajoute un peu d'huile d'olive et on mixe ça. Et donc, il faut pas trop en abuser parce qu'elle est très piquante. Ouais, quand tu dis piment au milieu de ce désert, ça ne marche pas beaucoup. Tout à fait. Je le confirme. Bon, eh bien, bon appétit, les amis. Merci. Comment on dit bon appétit chez vous ? Buen provecho. Buen provecho. Bon, ben, on va goûter ce fromage, Rodrigo. Oui, ah ouais, il est bon. Et Marjorie, toi qui es de Haute-Savoie, ça te manque pas le fromage ici ? Ah, bah si, mais on mange du fromage local, c'est bon aussi. C'est différent. Ça n'a pas le même goût que le fromage de chèvre de chez nous. C'est un côté très fumé, comme si on l'avait fumé au bois de quelque chose. Les chèvres, c'est sûr qu'elles n'ont pas la même nourriture que les chèvres qu'on a chez nous. Donc forcément, ben, la nourriture joue sur ensuite la texture. Différente. Bon les amis, je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. C'était vraiment super de découvrir votre mode de vie, puis j'espère que... Il vous rendra toujours aussi heureux dans les années qui viennent. Et puis toi, Rodrigo, bah écoute, t'as vraiment été mon guide, un guide incroyable. J'aurais jamais découvert cette région comme ça sans toi. Merci, mon ami. Et il y a quand même un truc qui m'a marqué, c'est peut-être ça, les hommes de Basse-Californie, c'est que t'es à la fois
aventurier comme Indiana Jones, mais t'es gentil comme la petite sirène, quoi. Ça, tu vois. Bah, tu m'as fait rire. Dans cette région aride, on croirait un mirage. Au milieu des palmiers, l'oasis de Todos Santos. La ville, située sur la côte pacifique, est un paradis pour les hippies et les artistes. C'est aussi l'un des rares endroits en Basse-Californie du Sud où l'agriculture est possible. Elisabeth dirige cette ferme de 30 hectares. Ici, on cultive des herbes aromatiques, des haricots verts et des fraises biologiques qui seront récoltées dans quelques semaines. Alors on va couper ces fleurs-là. Il faut qu'on les coupe toutes, car il y en a beaucoup. Elles prennent de la force et gênent la pousse des fraises. La ferme d'Elisabeth produit entre 100 et 120 tonnes de fraises par an. Parvenir à un tel résultat au milieu du désert reste un défi quotidien. Nous avons adapté certaines variétés de fraises au sol d'ici et aux conditions climatiques. On surélève la terre pour qu'il y ait plus de fraîcheur dans la structure, de sorte que les racines poussent bien mieux et elles ont plus de place. Et par-dessus, on met le plastique qui renvoie les rayons du soleil pour que ce ne soit pas trop chaud dessous. Ça crée des conditions fraîches et les plantes sont contentes. Elisabeth a d'abord travaillé comme comptable pour plusieurs exploitations agricoles de la région. Au moment de créer sa propre affaire, elle a choisi de s'installer à Todos Santos pour bénéficier de son climat exceptionnel. Tout est réuni. Une humidité appropriée, une bonne brise, et nous avons de l'eau de bonne qualité. Ces conditions bien spécifiques n'existent qu'à Todos Santos. Le lieu préféré d'Elisabeth à Todos Santos, c'est la Pozza, une petite lagune où elle aime venir se ressourcer après le travail. L'oasis profite d'une situation idéale entre l'océan Pacifique et les montagnes de la Sierra de la Laguna, d'où proviennent les eaux qui irriguent la ville. C'est la même eau qu'on utilise dans notre champ. Et c'est l'eau qu'utilisent les gens du village. Cette lagune fait partie d'un écosystème équilibré qui alimente naturellement l'oasis de palmiers. C'est un endroit où les gens du coin aiment bien venir se promener, car c'est une lagune d'eau douce entre le désert et l'océan. Au XVIIIe siècle, des missionnaires jésuites prennent conscience du potentiel de la région. Ils s'y installent et fondent la mission de Todos Santos en 1723. Longtemps endormie, la petite ville se réveille à partir des années 70 avec l'arrivée des visiteurs étrangers attirés par la nature et la douceur de vivre. C'est le cas d'Eric. Il y a 16 ans, il a quitté une vie trépidante de citadin aux États-Unis pour la quiétude de Todos Santos. Financièrement, c'est parfois un peu compliqué, mais c'est la meilleure décision de ma vie. J'ai commencé à vraiment apprécier la nature et à renouer avec la terre. L'océan fait à nouveau partie de mon quotidien. Et ça, ça me manquait beaucoup. Amoureux de l'océan, Eric s'y rend dès qu'il le peut. Entre deux missions en tant que designer, il peint les pieds dans le sable et vend ses toiles aux touristes. La plage de San Pedrito est l'un de ses endroits préférés. Cette vue retient vraiment mon attention. J'essaie de la peindre ces derniers temps. La lumière est vraiment forte ici. Et c'est un défi de saisir cette luminosité. Je pense que c'est ce qui attire les peintres paysagistes dans cette région. Même les photos ne restituent pas à quel point les couleurs sont vibrantes. Les paysages variés de Todos Santos sont une source d'inspiration inépuisable pour les artistes. Si vous voulez représenter des paysages, si vous voulez peindre des scènes de vie, des animaux, des montagnes, des ruisseaux, il y a plein de compositions possibles ici. Et il y a la liberté d'aller où vous voulez. Vous pouvez conduire 5 minutes dans le désert ou 10 minutes en remontant la côte et vous avez un paysage complètement différent. Quand il ne travaille pas au bord de l'eau, Eric aime surfer avec sa famille.
l'océan Pacifique, puissant et agité, est idéal pour le sport. Ces dernières années, les touristes sont de plus en plus nombreux à vouloir profiter de la nature de Todos Santos. Pour Eric, le plus important est de préserver l'âme des lieux. Mon espoir, c'est que les gens qui viennent et le développement que cela entraîne, que tout ça se passe de manière durable, réfléchie. Et que l'on puisse conserver ce qui nous a fait venir ici en premier lieu, sa beauté naturelle. Eric et sa famille ont trouvé leur petit coin de paradis. En 2006, Todos Santos a été désigné « village magique » par le gouvernement mexicain. Je voudrais acheter des cartes postales, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Regarde, il y a le Zócalo, Los Muertos, les Beaux-Arts, l'Ange. Ok, eh ben, je vous prends ces quatre-là. Ça fera 48 pesos. Gracias. De nada, hasta luego. Adios. Bye. Buenos días. Buenos días. Hola. Bonjour. Buenos Noémie. Días. Sí. Enchanté. Ismaël. Je suis très contente que tu sois arrivée à Puebla. Et si je t'ai donné rendez-vous ici, c'est pour que tu découvres la gastronomie mexicaine, en particulier la pâtisserie. Tu veux goûter? Ah bah écoute, pourquoi pas. Allez, je vais goûter celle-ci, la rouge. Ça s'appelle les borrachitos. Il y a de l'alcool dedans. Oui. Bon, je comprends pourquoi ça s'appelle le petit bourré. Hein. Ce qui m'a étonné depuis que je suis arrivée, c'est que je vois plein de pâtisseries ici. Oui, c'est très caractéristique de Puebla. Et toi, tu me conseilles quoi? C'est quoi tes spécialités préférées ici? Je vais te montrer. De ce côté, il y a mes favoris. Là, il y a les tortitas de Santa Clara que j'adore. On peut en avoir? Bien sûr. C'est comme une petite galette, c'est très bon. Il y a aussi les limones, il y a de la coco dedans, c'est très sucré. C'est mes préférés. Enfin, j'ai plein de préférés. On peut en acheter quelques-uns. Et regarde, c'est de la poterie de Talavera et j'aimerais t'emmener dans un endroit où on la fabrique. Très bien, bah je vais prendre aussi des petites pâtes de fruits borrachitos. Alors, ça fait 19 pesos et ça 35 pesos, donc un total de 54 pesos. Ils sont jolis, vos billets, tout colorés, avec plein de petits dessins. Qu'est-ce que ça représente, ce qu'on voit sur ce billet? Là, il y a une représentation de l'indépendantiste José María Morelos. Et à côté, un papillon. Gracias. Adios, gracias. Adios. Voici la Talavera d'Uriarte, construite en 1924. C'est très représentatif de la culture de Puebla. Et ce sont des céramiques qu'on achète dans tout le Mexique, aussi à l'étranger? Oui, c'est très connu dans le Mexique. Et quand les gens viennent à Puebla, ils achètent de la poterie de Talavera. Oh, c'est incroyable ici! C'est un vrai petit trésor caché, on n'imagine pas ça quand on est dans la rue, pour avoir un aussi bel atelier. Toutes les étapes du processus de la Talavera sont faites ici. Buenos días. Bonjour, bienvenue. Ismaël. Guadalupe. Guadalupe.
Je suis très impressionné parce que moi, j'ai jamais su colorier. Quand j'étais petit, je débordais tout le temps. Et combien de temps il te faut pour peindre une petite pièce comme ça, Guadalupe ? Pour peindre une pièce comme cela, il m'en faut de 2 heures jusqu'à 3 heures et demie. Mais du début à la fin, pour réaliser une pièce comme celle-là, il nous faut 2 mois de travail. Maintenant, Ismaël, on va aller chez ma mère. Elle fait un délicieux mole poblano qu'on va déguster dans une assiette en talavera typique. Bah, je suis sûr qu'il sera encore meilleur dans une assiette comme ça. Merci beaucoup, Guadalupe. Gracias. Et bravo. Au revoir. Allez, on va à Cholula. Tu sais, moi, je suis venu dans cette région parce que j'ai entendu dire que c'était un des meilleurs endroits pour goûter à la cuisine traditionnelle mexicaine. Oui, le risque, c'est de prendre quelques kilos. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu les perdras très vite. Et c'est vrai que la nourriture est très importante pour nous, les Mexicains. Et comment tu as appris la pâtisserie ? Depuis que je suis toute petite, ma maman m'apprend la cuisine. Et après, je me suis spécialisée dans la pâtisserie. Et quand je fais un gâteau, j'adore préparer la crème, la pâte, couper les fraises. C'est vraiment ma passion dans la vie. Et bien sûr, j'aime aussi la manger. Ismaël, je voulais te montrer une merveille. Tu vas adorer. C'est cette église qui a été construite sur une pyramide aztèque. C'est parti. C'est absolument magnifique en tout cas. Ah, c'est beau! Wow. Voilà, on a atteint le point le plus haut de la pyramide. J'ai lu que cette église, elle avait été construite sur ce temple pour que les gens d'ici, au moment de la conquête du Mexique par les conquistadors espagnols et par les missionnaires catholiques, abandonnent leur dieu et leurs croyances pour se tourner vers l'église. Mais est-ce que les cultures anciennes, elles sont toujours présentes chez vous? Oui, bien sûr. Il y a une fusion entre la culture aztèque et celle des conquistadors. Cette culture vit toujours dans notre sang. Et regarde, d'ici, tu as une vue magnifique sur les volcans. Ah, superbe. Ce volcan culmine à 5426 mètres d'altitude. Il est très haut. Et comment il s'appelle ? Popocatépetl. Popocatépetl. Mm-hmm. Tu sais, je suis très heureux de voir ce volcan parce qu'il y a 18 ans, j'ai lu ce livre. Ça s'appelle Au-dessous du volcan et qui se passe au pied du Popocatépetl. Et ça raconte l'histoire d'un consul anglais en errance au Mexique. C'est pas très joyeux, mais ça décrit bien ce Mexique à la fois festif, nostalgique qu'on est en train de découvrir. Et ça fait 18 ans que je rêve de venir voir ce volcan, tellement ce livre m'avait marqué. Bien, moi je connais une autre histoire à propos du Popocatépetl. C'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'une princesse qui devait se marier avec un guerrier nommé Popocatépetl. Mais pour cela, le guerrier devait partir à la guerre et revenir triomphant. Mais lorsqu'il revint, elle était morte. Alors il prit la princesse dans ses bras et l'emmena au point le plus haut du volcan pour être au plus près du ciel. Et il mourut à ses côtés. Et donc le volcan représente le feu de l'amour qui brûle entre les deux amoureux. Loin des volcans mexicains, il existe un breuvage qui mêle l'eau et le feu. Le mezcal, eau-de-vie emblématique du pays, se concocte ici et puise son goût et sa force dans l'agave, une plante cousine du cactus. Depuis quelques années, ce breuvage ancien est à la mode. Des bars lui sont même entièrement dédiés. Oaxaca, c'est la capitale du mezcal.
et ses mescalerias se comptent par dizaines. Cela fait 8 ans que Carlos s'est spécialisé dans le mezcal. Il en connaît toutes les subtilités et aime les partager avec les touristes. On va commencer avec un mezcal hispaline. Dans l'appellation d'origine contrôlée, il y a 3 types de mezcal. Celui qui s'appelle mezcal, réalisé d'une manière industrielle. Le mezcal artisanal, distillé dans un alambic de cuivre. Et l'ancestral, qui est différent. On va commencer par l'ancestral. Carlos initie les palais des visiteurs. Cette eau-de-vie peut être produite à partir d'une trentaine d'espèces d'agaves distinctes et donner autant d'arômes différents. Le mezcal rivalise presque avec l'autre boisson nationale, la tequila. C'est le spiritueux qui connaît le plus fort taux de croissance sur le marché mondial. Avant, si tu offrais un mezcal à quelqu'un, cette personne te répondait « mais je ne suis pas pauvre ». Il y avait une idée reçue, associée au mezcal, selon laquelle c'était une boisson pour la classe populaire. Mais en réalité, le mezcal représente la culture liquide du Mexique. Je crois que comme ailleurs dans le monde, les gens veulent en savoir plus sur leur propre culture. Au Mexique, les gens ont en quelque sorte redécouvert le mezcal. Plus de 80% de la production mondiale provient de la région de Oaxaca. Dans les plantations d'agave, bien alignées, travaillent de petits producteurs au savoir-faire unique. Les maestros mezcaleros, les maîtres du mezcal. C'est le cas de Lucio et de son père Adrián. On vient ici pour chercher les agaves matures, les couper et en faire un bon mezcal. Les plus jeunes, on les laisse pour qu'elles poussent un petit peu plus. La croissance de ces plantes succulentes est lente. Il faut les laisser mûrir de 7 à 25 ans selon les espèces. Hey Lucio, viens, on va couper celle-là. Ok, je vous rejoins, commencez. Elle est géniale. Elle est vraiment super. On va couper cette agave. On sait qu'elle est mûre parce qu'elle a fleuri. C'est un travail un peu difficile parce qu'il faut faire attention aux épines. Avec une épine, on peut se couper. Vous voyez, j'ai encore du sang. Mais c'est notre travail, on doit le faire. Ça fait 56 ans que je fais ça. Les maestros mescaleros coupent l'agave à la main, comme le faisaient leurs ancêtres il y a plusieurs centaines d'années. Lucio retire toutes les feuilles de la plante. C'est le cœur qui l'intéresse, car il contient le sucre qui donnera de l'alcool après fermentation. Ce mode de production artisanale fait partie de l'ADN du mezcal. Conserver ce mezcal traditionnel, artisanal, c'est très important parce qu'on obtient des produits très naturels, biologiques. Ça nous fait vraiment plaisir que les gens voient la différence avec les produits industriels et qu'ils apprécient ce que l'on fait. On va continuer à maintenir cette qualité qui nous est chère. Une fois coupés, les cœurs d'agave vont cuire dans un four creusé dans le sol. Vient ensuite l'étape de la distillation, un art que maîtrise Alberto. Il produit son mezcal de manière ancestrale. Ici, pas de grande cuve, la distillation se fait dans de petites jarres en terre cuite. Notre système ne permet pas de produire en grande quantité. On perd beaucoup de vapeur parce qu'on utilise des jarres et elles ne sont pas grandes. Mais finalement, on gagne en saveur. Avec sa méthode, il produit environ 80 litres de mezcal par jour. Tout au long du processus de distillation, il veille sur son breuvage pour qu'il soit parfait. Cette pipette, c'est pour aspirer. Ça permet de savoir à combien de degrés il est. Là, c'est encore autour de 76 degrés. Les bulles ne restent pas à la surface. Alberto a appris le métier auprès de son père et de son grand-père. Il transmet désormais son savoir à ses fils. Ouais,
Je suis heureux parce qu'ils se préparent à devenir maestros mescaleros. Ils vont vivre de ça et ça, ça m'apporte beaucoup de joie. L'engouement récent pour le mezcal assure un avenir au fils d'Alberto. Ils pourront ainsi perpétuer la tradition des maestros mescaleros de leur famille. Buenos días. Hola, buenos días. Il faut que tu goûtes ces pains recouverts de sucre. C'est une spécialité de Cholula. Ceux-là, c'est mes préférés. On les appelle conchas. Tu veux en goûter? Ils sont tous très bons. Ah bah, je goûterais bien celui-là, le rose, là. Si. Il y a beaucoup de choses au sucre chez vous, quand même. Hein. Vous êtes gourmands, les Mexicains. Je te présente un ami, Ismaël. Buenos dias. Enchanté. C'est un ami à toi? C'est un ami de ma mère. Ah, ok. Si. Enchanté. Maman a demandé de faire des courses pour cuisiner le plat typique, le mole poblano. Un kilo de chile molato. Ok, un kilo de molato. Ce poivron séché est l'ingrédient principal du mole poblano. Un plat 100% mexicain. Ça, c'est un molato. Merci, Pépé. Ah oui, ce sont des poivrons séchés, c'est marrant, on dirait du cuir un peu. Le mole se prépare pour les fêtes d'église, les mariages. Et pour mon mariage, ma maman a préparé un mole pour 500 personnes. 500 personnes? Si. Mais ils ont mis 2 mois à cuisiner tout ce mole. Si. Combien je te dois? 100 pesos. Et voilà. Ça fait 4 euros, ça, à peu près. Merci. Merci beaucoup, Pépé. On reviendra. Merci. On va aussi acheter des bananes plantains. Les meilleures sont là. Toi, tu aimes venir dans ce genre d'endroit, vu que tu adores la cuisine? Oui, bien sûr. J'adore ça. J'aime parce que tous les produits sont frais. J'aime toutes les odeurs du marché, les fruits, les légumes. Et surtout, j'adore venir ici acheter des fleurs. Allez, maintenant qu'on a tout, direction la maison. Buenos días. Hola, buenos días. Ismael. Ah, Catalina. Catalina? Si. Doña Catalina? Doña Catalina, si. Noémie m'a dit que vous étiez la reine du mole, Doña Catalina. C'est vrai? Si. Oui. J'ai même été invitée à concourir à la compétition de San Andrés. Et j'ai participé à de nombreux événements sur le mole à Puebla et dans la région. Los pueblos. Très bien. Les cacahuètes, chile molato, les amandes et la cannelle. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour aider Doña Catalina? Tu vas m'éplucher les bananes plantains. Doña Catalina, comment tu as appris à faire le mole? Avec une tante qui était toujours chargée de préparer le mole lors des mariages et des grandes fêtes de village. Et toi, tu poursuis la tradition? Tu as tout appris à Noémie? Oui, comme c'est ma fille, je veux qu'elle apprenne. Mais on en est qu'au début, parce que je veux vraiment qu'elle fasse un meilleur mole que moi. Pour que le jour où je ne pourrai plus préparer le mole, il y ait une autre femme dans la famille qui sache le préparer pour que notre culture ne se perde pas. Un poquito. Un poquito? Comme ça? Non, plus, plus. Plus, plus. C'est ça, un petit peu chez vous. D'accord. Ah oui, bon, ça va, une petite cuillère à café, quoi.
Ça sent bon. Si. Oui. Et maintenant, Ismaël, on va laisser maman terminer le mollet. Et je t'invite à aller sur le patio parce que j'ai une surprise pour toi. Ismaël. Ismaël, la musique pour les Mexicains, c'est très important. C'est fondamental. Ah oui, il y a plein de musiciens. Dans la tradition, ils arrivent quand on termine la préparation du mole poblano. Aujourd'hui, c'est un groupe de 8, mais normalement, ils peuvent être jusqu'à 20 musiciens. Donc, il n'y a pas de bon mole sans musique, en fait. Ça fait partie de la convivialité chez vous, la musique. Forcément. Et je dirais même que c'est plus que ça. On a besoin de musique pour préparer un bon mole. Ah, là, on est vraiment dans le plat typique de Puebla. Hein. Et on va mettre des petits grains. Voilà. Un peu plus. Ah oui. Mm-hmm. On passe à table ? Si. Le mole se mange avec la tortilla. Je vais t'apprendre notre technique pour manger le mole. Tu coupes la tortilla en deux et tu la plies pour en faire une cuillère. Mm-hmm. Ah oui. Comme ça ? Así. Comme ça. Ça fait une cuillère de mole. Mm-hmm. C'est délicieux. En fait, tu sais, Noémie, c'est de la vraie cuisine de grand-mère ou de la vraie cuisine de maman. Dona Catalina, bravo. Merci beaucoup. Merci, merci. Je suis heureuse que ça te plaise. Bon appétit à toutes les deux. Buen appetito, Ismael. Et merci d'avoir partagé avec moi ce bon plat. Ismaël quitte Cholula pour gagner la tentaculaire capitale du Mexique. Voici Mexico. Située à 2400 mètres d'altitude, la capitale du pays compte près de 20 millions d'habitants. Pour nourrir cette population et ravir les palais des gourmands, il existe un lieu unique. La Centrale de Abasto, le plus grand marché de vente en gros du monde. Véritable ville dans la ville, s'étalant sur 300 hectares, la centrale ne dort jamais. Ouais. 90 000 personnes travaillent ici chaque jour. Tous les matins, Luis nettoie des centaines de kilos de nopal provenant du figuier de Barbarie, un cactus comestible endémique du Mexique. On enlève les épines pour le rendre comestible. Comme beaucoup d'autres à la centrale des Abasto, Luis a appris ses gestes auprès de ses parents. D'abord, je suis venu ici comme visiteur. J'accompagnais mon père et ma mère. Et puis je suis revenu parce que je voulais apprendre le métier. Ensuite, c'est devenu une obligation de venir parce qu'il a fallu que je travaille. C'est un peu comme ma deuxième maison. J'y passe la moitié de mon temps. Cela fait déjà 15 ans qu'il travaille à la centrale des Abasto et il a vu le marché évoluer. Je crois qu'année après année, il y a de plus en plus de monde qui travaille ici. Il y a plein de gens des autres États du Mexique qui viennent. Ils veulent avoir une vie meilleure. Depuis son ouverture en 1982, le marché n'a cessé de s'agrandir, avec toujours plus de marchandises à transporter et de clients à livrer. C'est le rôle des diableros, les pousseurs de diables, rouage indispensable au bon fonctionnement de cette fourmilière. Comme Ernesto, ils sont des milliers à faire des allers-retours entre les camions et les échoppes de la centrale. Je sors de ma maison à 3h du matin, je commence à bosser à 5h et je rentre à 14h. Après, je vais dormir et je recommence à travailler et ainsi de suite toute la semaine. Je siffle pour que les gens me laissent passer, pour ne pas les blesser, pour ne pas leur rentrer dedans.
para no chocar con ellos. Estrellas. ¿Dónde las pongo? Je pose ça où? Ici? Va. ¿Cómo van? Il y a beaucoup de gens qui nous méprisent parce qu'on est des diableros. Mais c'est un beau travail, c'est super. J'aime ce boulot. Tu portes tous les légumes qui vont aller dans plein de pays. Les gens goûtent ce qu'on a ici au Mexique, tout ce qui naît de la terre. Ça va aux États-Unis et dans de nombreux pays. Et puis l'ambiance est super. Tu rencontres des filles, il y a de la musique. C'est agréable de travailler ici. Aux travailleurs s'ajoutent les 500 000 clients qui fréquentent chaque jour la centrale des Abasto. Certains achètent des produits pour les revendre ensuite sur les marchés en ville. D'autres s'approvisionnent pour leur restaurant, du stand de rue à l'établissement le plus prestigieux. Osvaldo est le chef d'un restaurant huppé de Mexico. Une fois par semaine, il vient faire ses courses ici. Ce qu'on cherche à la centrale des Abasto, c'est surtout ce qui est un peu spécial, qu'on ne peut pas trouver dans les autres marchés. Mais il y a des produits qui sont encore plus spéciaux que d'autres, et on va en chercher un qui se trouve justement ici. Les huitlacoches sont des grains de maïs infectés par un champignon. Au Mexique, ils sont considérés comme un produit de luxe. On en a besoin de beaucoup. Combien je peux en prendre? Normalement, le huitlacoche est très amer. Celui qui est là nous plaît beaucoup parce qu'il est plus sucré. Pour lui, la centrale des Abasto est une source d'inspiration inépuisable. Je viens depuis 2 ans et jusqu'à aujourd'hui, je continue de voir des choses nouvelles. Imagine la diversité de produits qu'on peut avoir sur 2000 km de territoire, sous des latitudes différentes. Quand la mandarine du sud est terminée, commence celle du nord. Ça change notre conception de la cuisine de saison. C'est incroyable. Et tout ça, il n'y a qu'ici qu'on le trouve. Dans un restaurant réputé, ou sur le pouce, les 22 millions d'habitants de Mexico se nourrissent de produits passés par la centrale des Abastos. Je voudrais aller à la place de la Constitution, s'il vous plaît. Parfait. C'est pas trop dur la circulation à Mexico? Aujourd'hui non, parce que c'est un jour férié, donc c'est tranquille. Mais d'habitude, la semaine, avec les gens qui vont au travail et les écoliers, c'est plus compliqué. C'est compliqué à masse. Moi, je suis venu pour découvrir la gastronomie mexicaine. Est-ce qu'on mange bien à Mexico? Oui, très bien. Il y a bien sûr le mole, la barbacoa, le cabrito, il y a plein de choses, plein de choses. Nous voilà place de la Constitution. Merci, à bientôt. Vous voulez que je prenne tous en photo? Oui, s'il vous plaît. Et voilà! Merci. De rien. Au revoir. Salut toi. Hey! Fernando! Hey! Salut, comment ça va? Ça va bien? Comment ça va? Ça va? Bien, seguro. Alors tu as commencé à découvrir la ville? Oui, c'est super beau. Ici, c'est le Zocalo, c'est la place centrale de la ville. Et c'est ici qu'est née l'histoire de la ville et pratiquement de tout le pays. Pendant mon voyage avant, j'ai découvert la cuisine traditionnelle mexicaine. Mais toi, tu as la réputation d'être un des cuisiniers les plus créatifs du Mexique. Il paraît que tu réinventes cette gastronomie, c'est vrai? Je pense que c'est un peu exagéré. La réalité, c'est juste que je travaille dur tous les jours. Mais par contre, je te propose d'aller faire un tour en ville. Je vais te montrer les marchés et après, on ira à mon resto. Ok, allez. Bienvenido. Vamos. Qu'est-ce qu'ils font
tous ces gens, Fernando? Traditionnellement, les gens viennent ici pour purger leur corps des mauvaises ondes. On appelle ça la purification. La purification, c'est une mini-cérémonie pendant laquelle les gens reçoivent une fumée à base d'herbes qui soigne, équilibre les ondes et porte chance. C'est une mise en scène très intéressante du mode de vie quotidien à l'époque préhispanique, avant les conquistadors espagnols. Ils font un vrai travail de mémoire de ce qu'étaient nos coutumes autrefois, et c'est très bien. Donc ça représente très bien notre passé. Et ce qui est intéressant, c'est que cela se passe juste à côté de ce qui représente la modernité de la ville de Mexico. Parce que le bâtiment, juste là, c'est le palais du gouvernement. C'est de là que sont prises les décisions présidentielles. Ça, ce sont des danses traditionnelles aztèques qui datent de plus de 1500 ans. À cette époque, ils dansaient pour convoquer les divinités, la pluie ou pour que la terre fleurisse. Pourquoi tu es un chef connu au Mexique, Fernando? J'ai eu la chance de participer à des projets très importants grâce à des gens que je ne remercierai jamais assez. Par exemple, j'ai fait l'émission Top Chef. J'ai aussi gagné le prix du meilleur cuisinier de Mexico en 2014. Je suis avec une star de la cuisine, en fait. Mais comment t'as appris, toi, ce métier de chef? J'ai commencé à cuisiner il y a 19 ans. Mais en fait, c'était plus par nécessité, car mon but n'était pas de me consacrer à la cuisine. J'ai eu une petite fille à cette époque, et donc ça m'a forcé à trouver un travail sérieux, et la seule option qui se présentait à moi était de cuisiner dans un restaurant. Et c'est devenu une aventure qui non seulement me permet de vivre, mais surtout que j'aime vraiment faire. J'aimerais te faire découvrir un endroit spécial et quelque chose que tu n'as jamais fait avant. C'est une petite surprise mexicaine. Curieux de voir ce que c'est, parce que c'est charmant ici. Hein. Je te présente Pépé, qui va te montrer ses spécialités. Bonjour, bienvenue dans le Nord, mon ami. Je voudrais que tu fasses goûter quelques petits insectes à Ismaël. On commence par quoi? Je pense que tu devrais essayer les petits d'abord. Tu veux essayer les petits? Ils sont aromatisés avec du piment et de l'ail. Habituellement, on les mange dans les tacos ou accompagnés d'un verre mezcal. Mais pourquoi tu me fais ça, Fernando? Ça se passait bien entre nous. Tu dois essayer. C'est comme aller en France et ne pas manger de pain. En avant. Petit à petit, le sel. C'est très salé, on dirait des crevettes séchées. Ah oui, c'est des saveurs compliquées. Ça, c'est les petits, on va essayer plus gros. Bah, je préfère ça au vert vivant là. On goûtera ça après. Ça se prépare avec du jus de citron et de la poudre d'asticot salée et pimentée. Oh là là. Ouais, c'est génial pour l'apéro ça. C'est sûr. 1, 2, 3. Venga. C'est croustillant. C'est génial. Delicious. Tiens, okay. Prends la fin. Salut. Santé. Et toi, tu sers les insectes à la carte de ton restaurant? Oui, bien sûr. On sert des petits tacos à base de sauterelles, un peu comme celle-là. C'est un amuse-bouche de bienvenue dans le restaurant. On utilise aussi des larves de fourmis qu'on cuisine beaucoup à cette période de l'année. Mais là, on arrive à la fin de la saison. Mais au moins, tu as une petite collation. Bon, c'est vraiment pour toi que je le fais, parce que j'aurais jamais pensé que je serais capable de manger un insecte. Le Mexique est l'un des pays où l'on consomme le plus d'insectes au monde. On y dénombre plus de 5000 espèces comestibles. Pour les trouver, il faut se rendre à la campagne, comme ici dans la vallée de Mezquital, à une centaine de kilomètres au nord de Mexico. José Carlos et son oncle sont des chasseurs d'un genre un peu particulier. Là, on est en train de chercher les fourmis, justement, qui nous indiquent le chemin qui va directement dans le nid. Ils traquent ce qu'on appelle ici des escamoles. Les larves d'une espèce de fourmi qu'on ne trouve que dans les régions semi-arides du centre du Mexique. Comme dans un jeu de piste, José Carlos et son oncle cherchent des insectes qui indiquent la présence d'un nid.
On voit des fourmis ici. Ça veut dire qu'elles sont en train de s'alimenter, de se nourrir de l'arbuste. Il faut entraîner l'œil, il faut savoir lire le terrain. Une fois qu'on voit des fourmis ou du mouvement, il faut l'observer. Suivre les fourmis exactement où est-ce qu'elles vont, comment elles se déplacent. Son oncle lui a montré les ficelles du métier. Regarde, José Carlos, baisse-toi. Aujourd'hui, il sait repérer rapidement la présence importante de fourmis à plusieurs endroits stratégiques. Donc on a trois points, ce qui nous indique que le nid est pratiquement sous cet arbre. Donc, on peut commencer à ouvrir le nid. Et voilà. Il y a les escamoles. Les fourmis défendent les œufs et du coup, elles mordent. Certains nids peuvent donner jusqu'à 1 kg d'escamoles par mois. José Carlos en collecte 200 kg par an, à condition que les nids soient bien préservés. Ce qui est important aussi, c'est de bien remettre le nid comme il était. Et normalement, dans un mois et demi, on devrait se trouver à peu près la même quantité ou plus. Les œufs de fourmis de José Carlos alimentent de grands restaurants, comme le Pujol à Mexico, classé parmi les 50 meilleurs restaurants du monde. Vendus autour de 60 euros le kilo, les escamoles ont gagné le surnom de caviar mexicain. Au Pujol, seules les larves parfaites sont servies aux clients. On les agrémente d'un peu d'oignon, de poireaux et de piment. Et une fois qu'on a ça, on ajoute les escamoles. Je crois que goûter des escamoles, c'est comme retourner aux sources de notre alimentation. C'est pour cela que je pense que c'est important que les gens qui ne sont pas de ce pays goûtent les escamoles. Avant l'arrivée des colons espagnols au XVIe siècle, les Mexicains avaient l'habitude de manger des insectes. Aujourd'hui, ils semblent redécouvrir cette nourriture. Angeles est cuisinière. Avec Manuel, son bras droit, elle vient s'approvisionner à la Merced, le marché le plus populaire de la ville. Buenos días. Bonjour. ¿Cómo está? Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme insecte? Angeles est une fervente adepte des insectes qu'elle aime cuisiner. Sur cet étal, des sauterelles, des vers ou encore des punaises. On les consomme vivantes ou comme ça dans la sauce. La consommation d'insectes est associée à la pauvreté. On pense que les plus défavorisés sont ceux qui mangent des insectes. Mais paradoxalement, c'est l'aliment du futur. Avec le temps, ça va se substituer à la viande. C'est moins préjudiciable au développement humain et plus durable. Savoureux et riche en protéines, les insectes sont devenus un ingrédient incontournable de la cuisine d'Angeles. Elle les met chaque jour à l'honneur dans son restaurant. Et pour séduire les plus réticents, elle a une astuce. On garde les insectes dans les éléments de la cuisine mexicaine. Tu vas goûter une tortilla exquise parce que le maïs vient d'ici et on va ajouter des sauterelles. Quand tu manges la tortilla, tu ne vas pas voir les sauterelles. Tu vas juste les goûter. Sauterelles incorporées aux tortillas, fourmis mélangées à la sauce du poulet et vers rouges servis avec le guacamole. Angeles ne manque pas d'imagination quand il s'agit de cuisiner les insectes et elle aime partager sa passion avec la jeune génération. Manuel travaille ici depuis 6 ans et il a découvert des saveurs qu'il ne soupçonnait pas. Je suis originaire de Veracruz. Normalement, là-bas, il y a des sauterelles, mais on ne les mange pas. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses et ce sont des choses merveilleuses. Je n'aurais jamais pu imaginer que ça pouvait se manger et qu'on pouvait réaliser des plats incroyables avec des insectes. Populaires ou raffinés, les insectes retrouvent une place de choix à la table de tous les gourmets. Thank you.
Ici, c'est l'avenue principale de Mexico, où sont situés la plupart des bâtiments économiquement actifs. Mais le dimanche, ça devient un centre culturel et d'activité familiale. Il y a des expositions, des gens qui viennent en vélo, des enfants en roller, c'est très sympa. Et surtout, tu es en sécurité. T'as pas aucune idée? Non, faut avancer, Fernando! Allez! Ouais, c'est bien ça! T'en peux plus! Nous sommes au marché El Cien. C'est un marché très particulier. La majorité des produits qu'on y trouve sont bio. Et ce sont les producteurs eux-mêmes qui les vendent. On peut y trouver des choses peu communes, contrairement aux autres marchés de Mexico. Ah, on va goûter un bonbon d'aubépine. L'aubépine est un fruit typique de la saison. Bonjour, comment ça va? On peut goûter le bonbon d'aubépine? Oui, bien sûr. Alors? Tu sens l'acidité? Il y a une petite graine, mais ce n'est pas gênant. En général, il y a du sucre de canne, de la cannelle et des épices. C'est délicieux. Mais c'est vrai que c'est plus qu'un fruit, on dirait vraiment une confiserie. C'est sûr. Un petit bonbon, tu vois? C'est très bon. Gracias. Merci. À bientôt. Dragon Chino 3. Salut Antonino, comment ça va? Bonjour Antonino. Ça va. Antonino fait du maïs avec un groupe de producteurs. Il sauvegarde des espèces de maïs endémiques. Nous venons de la région des volcans Amecameca, où nous cultivons ces maïs non transgéniques, sans herbicides ou insecticides. Et nous venons les vendre au marché pour que les gens réapprennent à découvrir notre maïs mexicain. Cette espèce s'appelle chitocle. Quand on le cuisine, il ne perd jamais sa couleur. C'est vrai, au restaurant, on fait une tortilla avec et elle reste rose. Et pour toi, Fernando, c'est important de valoriser des petits producteurs comme ça dans ta cuisine? Bien sûr, car la saveur, c'est très important. Les producteurs jouent un rôle fondamental. Ils produisent des ingrédients de qualité et nous les mettons en valeur dans nos plats. C'est un cercle vertueux, c'est très important pour nous. On va prendre celui-là, s'il te plaît. Merci beaucoup, à la prochaine. Voilà, on est arrivé chez moi. Bienvenue. Merci. C'est très beau ton restaurant, Fernando. Très moderne, branché. Je vais faire un plat qui me plaît beaucoup. Parce que justement, il y a du maïs, des escamoles et du poulpe. Je vais passer le poulpe au grill pour lui donner une note fraîchement fumée. Je vais faire chauffer l'entomatado. C'est une préparation que j'ai faite avec du maïs, mais dans sa forme fraîche.
et avec de la tomate notamment. Non ? Pour éviter que ça sèche, il ne faut pas trop le chauffer. Et ça, je l'ajoute au dernier moment pour qu'il soit juste à température, car c'est un mets très délicat. Ce sont des escamoles, des œufs de fourmis. C'est dur à trouver, très cher. Mais c'est aussi un produit très apprécié ici. C'est le caviar mexicain. Je vais dresser l'assiette. Tu veux mettre la touche finale? Mets le sel pimenté sur le guacamole. Et après, c'est fini. T'es tellement appliqué que j'ai la pression juste pour mettre ça. Vas-y, n'aie pas peur. Comme ça? C'est OK. C'est prêt. Comme les chefs. Pourquoi no pruebas? Tu goûtes? Je vais casser toute ta présentation. Hey, bon appétit. Es muy ahumado. C'est très fumé. Et les piments ne piquent pas. Moi, j'ai qu'un seul mot, Fernando, c'est que c'est parfait. C'est parfait, c'est de la haute couture. Ma cuisine joue sur les saveurs les plus délicates. Je ne veux pas que la cuisine mexicaine soit limitée à beaucoup de citron, beaucoup de piment, beaucoup de piquant, mais qu'elle soit aussi élégante et variée. Je suis vraiment content de finir par ton plat, Fernando, par ta cuisine, parce que ça réunit tout ce que j'ai vu dans mon voyage. Des produits du terroir brut, une cuisine traditionnelle, okay. Mais en même temps, toi, t'en fais une cuisine du 21e siècle, un petit feu d'artifice créatif, c'est impeccable. Cette cuisine est le résultat d'une culture, d'une tradition et d'une grande passion, et de tous ceux qui font un gros travail, pas seulement au restaurant, comme Antonino et son maïs, et tous ces gens qui préservent notre patrimoine gastronomique. La cuisine mexicaine est au même niveau que d'autres cuisines dans le monde. La seule chose que nous avons à faire, c'est la partager. Bon bah merci d'avoir partagé ta passion avec moi, en tout cas. Par contre, mange un peu, parce que les cuisiniers, généralement, ne mangent jamais ce qu'ils ont fait. Adelante. C'est ici, dans l'électricité de Mexico, que se terminent mes échappées belles. Je repars du Mexique avec quelques kilos en trop, mais surtout avec le bonheur d'avoir découvert un pays fier de sa culture et ouvert sur le monde, à l'image de sa cuisine généreuse. La générosité, c'est aussi le trait d'union entre Rodrigo, Noémie, Jean-Christophe et Marjorie, ou encore Fernando, mes passeurs de goût dans ce voyage. À leur contact, j'ai découvert quelque chose de typiquement mexicain, l'accueil du visiteur étranger. À chaque fois que je leur ai dit au revoir, j'ai senti qu'il y aurait toujours une place pour moi à leur table. Et c'est ce que je vous souhaite de vivre si un jour vous décidez de venir ici. Vous pouvez revivre mes échappées belles au Mexique sur le replay de France Télévisions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. Hasta luego !